petit à petit. Didi B aussi maintient le cap, lui et sa petite coupe. Ça rien. Bon, Dieu s'est manifesté. Il a senti le dévouement et l'amour que cette dernière porte pour Didi B. Il dit bébé, Dieu maintenant s'est manifesté. Il dit bébé, à cause de ta détermination, de ta loyauté. J'en vois. Voilà comment Dieu a commencé à se manifester dans la vie de ce dernier qui est de Didi B et dans la vie de Sarai. Bon, vous pensez que j'ai galéré avec une fille. Elle m'a vu au plus bas. Et Dieu est en train de nous faire monter progressivement. Cette fille-là, de par sa loyauté, vous me voyez en train de laisser cette dernière. T'as dit? C'est comme un drapeau, c'est comme... Ça dit, Sarah, c'est le symbole de la loyauté, de l'intégrité et de la fidélité. Non, de nos jours, on ne gagne pas ça. Femmes comme les Sarah, on ne gagne pas ça. La bordellerie a pris le pays. On ne sait plus où aller. Dis pas ici, bordel, bordel, tué, tué, bambé, bambé, tué, 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 bordel. Excuse-moi, il t'aime les femmes, hein. Les petites filles ne sont plus concentrées. Tout le monde vient percer un coup. Et tout le monde passer par la porte. Il y a quoi dans la porte? Tu vas ici. La petite fille s'est recentrée sur un seul moment où elle est restée fichée. Donc les garçons souvent n'ont pas tout en place. Elle lui, là, il est signé sur lui, ici, elle lui. Ici, elle lui. Et puis elle est restée, elle a continué, elle a continué. Elle a pris ses respectés quand même. Le petit prend sa femme, il en voit partout. Moi, à la main, Titi B. Hey. C'était moi, elle est rentrée dans la voie de la fille, elle a mis. Sa détermination. On ne gagne plus ça en aujourd'hui, on est 2023. Pour ma femme déterminée. Hey, les petites filles à court, elles courent, on ne sait pas où elles sont, elles courent, elles sont pressées. Elles se lèvent à voir, pêche humaine, maison, en même temps, tout tranquillement. Elles se lèvent à voir, elles vont avoir un gars pour se marier, un gars qui va se attendre tous les jours à la maison. Elles vont avoir un gars qui a l'argent. Elles sont folles, c'est la folie. Sarai, ils sont mal en patience. Mais Dieu a commencé et est en train de bénir son homme. Et Didi B, qu'est-ce qu'il va faire? Pour terminer en beauté, il prend une petite copine, il pousse. Il a marié ça. Il a bouclé. Et il prend la fille comme un symbole de loyauté, de drapeau. Il l'amène partout. Pour montrer aux gens que malgré celle, elle et moi, il n'y a rien qui peut se passer. Laissez donc. Il y a quelqu'un qui est là, elle a su les arrières de son homme. C'est ça là, on dit femme. Ah mon petit là, la coquillette là. La bordel là. Ça c'est quoi? Femme comme les trucs, on ne voit pas ça comme ça. Sarah a attrapé son cœur. Ma petite, là où tu es, bénédiction sur toi. Voilà. C'est ton ancien pour petit effet. Félicitations. Toi et ton mari, ils se sont mariés. Ils se sont unis par le lien sacré du mariage. Quand les gars souffraient, n'est-il pas là? Aujourd'hui, sur la lumière, les gars jubilent. Tous les jours, on insulte la fille. On insulte Didi B. Le gars met ça dans l'ironie, il rigole, mon ami. Elle t'a tué. Vous voyez un peu. Mais il y a eu un certain moment, on n'a qu'à arrêter. On va dire non, Debordo tranquillement, tu te joues les repères de quoi, les Didi B, nanani, machin. Il dit Didi B, son amour pour Debordo, moi, il ne sait pas où c'est passé. Mais lui-même, c'est un petit mec qui m'énervait même à la base. Il m'a rien fait, c'est un petit, il m'a attaché. Un jour, il m'a attaché, trophée tranquillement. Il m'a pété là, mais moi, je me suis dit, il a rigolé. Donc c'est les petits, mais moi, je ne calcule pas. Mais il voit que le petit, mais laisse-moi en ligne matin, puis le soir, mais moi, je ne sais pas. Oui, vous parle chaque jour. Didi B m'appelle un coup de fil de Bordeaux. Il m'écrit chaque jour, testo, vieux, c'est comment? Et on fait quoi? Il n'y a pas un autre, il y a un truc tous les jours. Oui?
En demandant à l'enfant de Titi B, demandez à Titi B, il va vous dire. Demandez. Titi B, il est mieux placé pour vous dire. Il va vous parler des enfants indépendants. Et c'est un petit à qui il montre tout, un peu tout. Lui aussi, il va bien vous placer. Il va vous parler de quoi? Non, à Débord, il est Robin. Je ne sais pas Robin, l'enfant. Le petit m'a adopté, il l'a adopté, et puis c'est fini. Il avait fait futuring à Débord, même 5 francs, il n'a pas pris. On dit l'enfant est attaqué. Ils sont en train d'attaquer son couple. Moi, il m'a soumis, puis il a regardé. Il ne s'est pas sorcier qu'à ce point-là. Il a dit, moi, tu me fais du bien. Je te ferai du bien à jamais. Est-ce que tu entends? Ça dit, s'il est soif, il n'est pas mon. Tu as payé l'eau 5 francs. Moi, j'enlève mes 50 000 et te donne. C'est ma perception de la vie. Et tu étais là quand j'ai besoin de quelque chose. Tu vois, les grands frères Salfo, jamais tu vas me voir garder son nom. Jamais. Il ne peut pas garder son nom. Jamais. Jamais. Lorsqu'il a fait mon accident, il y a plein de vieux pères qui étaient moi. Oui. Qui ont œuvré, qui se sont battus pour qu'ils me relèvent. Le ministre Boris Pandama, il a assuré. Ahmed Bakayoko, il a assuré. GPS, le président, l'ancien premier ministre, Guillaume Kibafori, Guillaume, Soro Guillaume, il a assuré. Toutes ces personnes ont assuré. Tout RHDP complet, ils ont assuré. Ils ont été déborus. Les Adama Bitoué et consorts, ils ont assuré. Je me dois redevable vis-à-vis de ces personnes-là. Juste. On leur a rien demandé. Ils ne représentent rien dans les programmes. Mais ils sont compliqués. C'est la culture qui est attaquée. Ils sont venus en aide. Et moi, pour les remercier, je fais ce que je peux musicalement. Un petit comme Didi Bé a attaqué. Moi, de Bordeaux, de le regarder, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon pour notre culture. S'attaquer au couple d'une personne, ce n'est pas bon. S'attaquer à un couple, ce n'est pas bon. Et tu surcroît des personnes qui sont mariées. C'est de l'harcèlement. Aujourd'hui, la société est faite de sorte que quand tu ne fais pas un enfant, automatiquement, tu es mal vu. Quand tu es marié, tu es bien vu. Quand tu ne fais pas enfant, tu es mal vu. Quand tu as enfant, tu n'es pas marié, tu es mal vu. Bon, arrêtez de créer des préjugés à chaque fois partout. Vous avez quel problème? On est dans quoi? Voilà un certain observateur qui se lève là-bas. Je ne sais pas, il a quel problème. Observateur, c'est un petit que j'estime beaucoup. Oui, parce que quand il réalise le parcours de ce dernier, c'est quelqu'un qui a galéré, qui a cru au méta, à tout ce qui est Internet, électronique, tout et tout. Tranquillement, il est. Ça dit, ça allait tellement vite. On a tous apprécié. Mais aujourd'hui, on regarde observateur, on a comme l'impression qu'il est écrit. Genre, son mouvement a pris aujourd'hui, il voit que ça a été prendre aussi pour d'autres personnes, ça marche chez d'autres personnes, lui, son mouvement est pris en avant. Baisse, il est devenu écrit, il est sorti. Ça dit, lui, en France, c'était celui qui doit mousser. Un champion. Il y a des blagues, là, on ne fait pas. Non, Didi B n'a qu'à enceinter sa propre femme. Bon, quand ils se sont mis ensemble, on t'a dit, t'allais ensemble, ils se sont mis là. C'est pour aller à la natation, aller pour cueillir cocoma, ou bien aller cueillir des feuilles tranquillement. Genre, on t'a dit que eux là, ils ne se touchent pas. Derrière ton message, derrière ce que tu as dit, que les gens sont en applaudir pour une autre, mais il n'a pas mal parlé. Tu es un sorcier, ça ne se fait pas. Va pas croire que Didi ne peut pas accepter Goula, mais va pas croire que Sarah ne peut pas tomber enceinte. Je suis désolé. Dans ce monde où on est là, chaque personne a ses prérogatives, chaque personne a son programme. Ils sont tous jeunes, sans la fleur de l'âge. S'ils veulent profiter de la vie avant d'avoir un enfant, ben ça dépend de toi, ton problème est où? Tu as fantasmé ces femmes déjà jusqu'à ça dit, hé, hey, si ils pouvaient accepter Goula. Mais tu dis, mais faut accepter Goula, bon, tu es dans la carrière. Vous tous, vous mettez vos gammes chez la fille à Yaka. Chacun a ses principes sur la terre ici. Chacun a ses principes. Tu fais ça dans sa cour. On a qu'à dire quoi? Tu n'as pas la langue dans la bouche. On a qu'à dire quoi? Tu es trop bête. Mais tu es bête, ton visage est pixou, tu es vilain comme ça. Tu n'as qu'un problème. Tu n'as qu'un problème. Et ça, il a fait un poste pour dire. Ah, ça aurait été moi qui était à la place de Didi B. Tu me demandes, ah, il fait mon enfant quand? Ou bien tu n'as pas le droit? Il y a du champion. Donne-moi un terrible de ta maman.
Comme ça va aller vite. Ou bien prends ta femme qui accouche, qui pond. Hein? Faut l'appeler. Elle va se porter, elle va se parler. Tu la mets comme mère porteuse. Elle va se toi là. Tu me donnes ta femme, elle va être mère porteuse de nos enfants, entre Sarah et nous. C'est quoi le souci? Vous êtes là à chaque fois, là, les gens ne parlent pas, ou vous touchent. Ça veut dire parce qu'il expose sa femme, et tout, automatiquement, ça doit susciter des moqueries, des attachements inutiles. Ce n'est pas tout, on prend pour attacher. Même en France, il y a des sujets qui sont délicats. On ne prend pas pour charger. Tu charges ça, pourquoi? Tu sais combien de femmes qui attendent un enfant dehors ici? Ça fait mal. Jeune féminine, si vous voulez, il ne faut pas t'y toucher. Tu t'es mis à tout, toute la jeune féminine. Ce n'est pas bon. Sur le sujet là, on ne joue pas avec champion. Ça là, c'est pas de l'héroïne, c'est pas un musulman. Tu es mon méchant foncièrement. Tu veux montrer quoi à qui? Tu t'intéresses tout à la vie de Titi P. On fait pas ça. On fait pas ça. Oh, Yoli, je vois les gens, tu es ta go tranquillement. Mais faut l'enceinter maintenant. Oh, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi-même, une fois, j'étais assis tranquillement. Et j'étais là dans mon coin. Ah, ben, devant, on n'a pas envie des enfants. Et la tante qui m'a posé la question, moi, je lui ai demandé, mais là, elle a dit, hey, papa, il était différent, la forêt, elle est où? Elle est fâchée. Quand on t'a tué de Facebook, il ne faut pas t'envoyer ça à Simon. Il dit, ah, l'aimé. Tu n'as pas encore vu mes enfants. Le jour où tu as me montré papa de tes enfants, là, je te jure. Je t'ai montré mes enfants. J'ai été clair. Il y a des trucs qu'il ne faut pas envoyer ça à Simon. Oui, question Mercona. Réponse merconarde. Direct. On ne peut pas être con comme ça. Il y a des sujets auxquels on ne joue pas, on ne plaisante pas. Toutes les femmes, tous là, il y a rien. On ne joue pas ça. Si tu peux, oui, Thérèse, va envoyer un enfant à enfant. Si tu peux prendre ta femme comme mère porteuse, va envoyer un enfant à enfant. Tu es belle comment? Et puis, il te dit, si tu persistes, il s'est en train de faire direct. Aujourd'hui, Pédia, il est mon protégé. C'est-à-dire le couple, c'est moi, vas-y, tu t'amuses. Tu répètes ça encore. Dans France, ici, il t'attrape, tu as un problème. Tu as avalé le courant la dernière fois. Moi, tu n'as pas avalé le courant. Il ne s'est même pas passé les lieux. Et puis ça s'est passé. On est entre Ivoiriens. Ce n'est pas tous les gens à venir s'exposer. On est fatigué. Maintenant, qu'on apprenne à se porter l'autre, de montrer l'autre d'un autre angle, tu vas monter en puissance, tu es dans quoi? C'est pas bon. Ce n'est pas bon. On doit quitter dans ça, là, c'est bon. Il y a des gens qui disent, non, mais il n'a rien dit de mal. Mais non, 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 vous savez de quoi il s'agit. Vous savez de quoi il s'agit. Oui. Oui. C'est une parole, c'est des questions qui sont camouflées, qui sont remplies de haine, de sorcellerie. Il y a des questions qu'on te pose, tu sais que le gars là, il t'aime pas. C'est comme moi, tu viens me laver, tu dis, mais champion, tu t'es brossé aujourd'hui. Ah, donc tu me dis quoi? Ma bouche sang. Il y a des questions bidons qu'on pose dans le temps. Tu vois ça, tu vois un peu. C'est des questions qu'on ne pose pas. Non, faut pas faire ça. Il ne s'y pas aller à ça.